Hey, bonjour à vous YouTube. On est tous les deux malades aujourd'hui, hein, désolé pour ça, mais on est ici. Alors avec Elder Kings 2, le mode n'a toujours pas été mis à jour, donc la guerre avec Kalineor va probablement se produire dans un futur proche. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis accompagné par Favali. Bonjour à toi Favali, comment vas-tu aujourd'hui? Mais je t'avais dit qu'yo, il fallait attendre que le mode soit mis à jour. Regarde, on va devoir affronter un ennemi hyper puissant. Il y a 16 000 hommes. Mais il a 16 000 hommes, mais moi j'en ai 14 500. Et toi, tu en as 3 000, 3 800. Nous avons les ordres sacrés, nous avons notre argent, nous avons nos hommes d'armes, nous sommes puissants, Favali. Nous allons gagner cette guerre. L'ennemi est ridiculement faible par rapport à nous. Voilà. D'accord. Si tu le dis. Et bien sûr que je le dis. Bien sûr. Bon, bah on y va, allez. J'attaque. J'attaque. Allez, attaque pour l'Empire. Déjà, C'est comme qu'il l'a ça, dit. tout de Hein. suite? Bah, c'est ça qu'il l'a dit. Hein. Il est Mais faible, il est t'es faible. sûr qu'on doit faire ça comme ça, vraiment, aussi vite Bah, c'est ça qu'il voit. Hein. Non, parce que la guerre peut durer des années, hein, vu la puissance du gars. Bah Puis il oui, faut mais... débarquer. Oui, t'as raison. Bon, bah tu sais Enfin, quoi? bon. Non, Eh ben... je sais pas. Eh ben... Alors, j'ai failli faire la bêtise, hein. Il est temps de conquérir Le monde. l'empire de Alinor. La guerre est Ah, déclarée. voilà. C'est ça qu'on veut voir. Ouh là Bon, bah, là bonne là. chance, Kyo. Merci. Alors, j'en attendais pas moins de toi. Mais tu vas même pas l'aider, tu vois, au final. C'est ça. Voilà. On va prendre Je ça. t'encourage de loin. Bah déjà, merci de m'encourager, c'est très très bien. Je suis très content que tu m'encourages. Je n'ai besoin que d'amour et d'eau fraîche. Ouais. J'ai aucune idée de s'il est fort ou pas. Ouah, 300 hommes, bah c'est toujours mieux que rien. Allez, vas-y, viens. Il a 22 000 hommes. Oui. Ah oui, t'as raison. Ah, ils ont pris l'ordre sacré. Ah bah oui. Eh oui. Et du coup, moi, je me demande quand est-ce qu'ils vont arriver, en fait. Par bateau. Oui, mais où ça? Par bateau. Tiens, Kyo, est-ce que t'as de l'argent pour financer ma guerre? Ta guerre? La guerre avec toi, hein, de l'argent, parce que je suis déjà à moins 2, je vais traverser l'océan, je vais attaquer les petites îles, je vais faire le petit gars qui attaque les petites îles en attendant pour gagner du point. Oui. Voilà. Je serais d'avis d'attendre. Attends, ils sont où déjà? Ils sont pas là. La tête du gars qui gère l'île, c'est bon. Ça Alors, passe. ils sont pas là. Mais Alicrest. non. Alicrest, c'est où? Ah, ils sont dans la capitale, hein. Quelle capitale? Ah, chez Bah, eux, ils bah sont voilà. allés chez eux, ouais. Je sais pas s'ils vont rester chez eux ou s'ils vont essayer de venir, mais. Ah, mais toi, tu t'en vas direct, quoi. D'accord. La guerre! D'accord, je surveille un petit peu leurs mouvements. Non mais il envoie même pas de soldats. En Les fait, c'est millions. moi qui fais la guerre, quoi. Non mais tu sais qu'il y a des petits bouts d'Alinéor là-bas. Ça fait des points en plus, du score de guerre en plus. Oui. Oui, mais le souci, c'est qu'en fait, j'aurais bien voulu l'affronter sur mon territoire avant, mais. Sur mon terrain. Ouais. Mais non, allez, tant pis. Allez, je vais aller, je vais aller conquérir. Le monde. C'est ça. D'ailleurs. Na. Je vois juste 20 000 hommes qui sont en train de prendre de l'attrition pour rien. C'est pour ça que je voulais attendre. Mais toi, tu veux pas que j'attende, donc tant pis, je vais aller à Solas. Ils sont à Carncost, hein, Tyranor. Donc ils viennent, hein, ils viennent vers toi, assez rapidement. Là, je t'envoie une armée d'Edric. Non, c'est gentil, merci. Comment t'arrives à savoir où ils sont?
Bah, en fait, je regarde la position de leur leader. Et là, ils sont Les situés à leaders. Tirana. Bah, le chef de guerre. Il est toujours à la capitale, ça change rien. Mais non, il n'est pas à la capitale. Il conduit lui-même son truc. Il conduit lui-même son armée. Ah oui, c'est bon, je vois. Oh, ils arrivent vers moi. Oh, ils viennent me tuer. Trop bien. Bah, viens vers moi, je vais dans la capitale. Attends, il me reste 30 jours. 30 jours pour assiéger. 30 jours, Kyo, 30 jours. Ah, ils arrivent. Ils arrivent. Attends, attends, il Ils faut que arrivent. j'achète des mercenaires. Ils arrivent. Courage. Favali, je C'était sais que les tu peux derniers t'en mots du sortir. Favali. Malheureusement, il s'est pris une flèche en genou. Mais avant, il était aventurier. Allez, Ceci n'est pas une Favali. référence à Skyrim. T'aimes Merci. bien en ce moment, toi, Skyrim. J'ai vu Non, je. que tu avais joué beaucoup. Je vois du tout de quoi tu parles. Faut se C'est mettre dans l'ambiance. Hein. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, mais tu m'as envoyé plein de soldats, c'est trop mignon. Oui, je t'ai envoyé des soldats. Attends, parce qu'en plus, je peux me Mais. réinvoquer 300 squelettes de plus. Mais non, mais mets pas la pause. J'arrive. Mais oui, il faut que je sorte mon armée, ils sont en pleine bataille! J'arrive, 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 j'arrive. On a besoin de mouvements stratégiques, Favali. Hum, stratégique, La ouais. stratégie. La stratégie dans la peau. Tu vois tes Nanana. 20 000 hommes, là? Exactement. Moi, je dirais la stratégie, ça serait d'assiéger le fort le moins défendu. Bah, Pour avoir c'est-à-dire une la zone de capitale, quoi. ravitaillement. Voilà. La capitale, quoi. Donc, c'est-à-dire Ouais. Solas, Sertaro, et puis. Oh! Et en fait, le problème, c'est qu'il se ravitaille directement sur l'île. Ah bon? Ouais, je vais aider, je vais plus avoir d'armée. Voilà, il a des pops. Ah merde. Ils se sont enfuis sur l'île. J'ai plus d'armée. J'ai 11 soldats. 11 soldats, ah ouais, c'est pas beaucoup. Et un chameau. Ouais, bon. C'est bon. C'est pas le chameau qui va pouvoir m'aider, malheureusement. Y a un singe. Merci. Écoute, je crois que effectivement, ça va être plutôt limité comme. T'inquiète. Alors, pause. On prépare une armée de sièges. Je ne suis pas sacrifié pour rien. Mais non, tu t'es pas sacrifié pour rien, ne t'inquiète pas. Enfin. Presque. Enfin, si, mais Quasiment. t'inquiète pas, c'est pas grave. On va trouver une solution. De toute façon, là, j'ai 2000 soldats qui arrivent. Voilà. Hop là, très bien. Comment on va faire? Parce que là, pour le ravitaillement, ça va être coton. Hop. Ça va. Par contre, il faut surveiller leur position. Parce que là, j'ai un peu peur. Au fait, elle était forte, la petite dame, ou pas? Non, ça va. Ok. Reduce aussi un commanding army, mais challenge Riba. Oui. Bellus Justum, ça aurait été bien, ça avant de déclarer la guerre. Land Raid, c'est quoi qui pourrait me permettre de. Bah, ce sera Bellum Justum, et puis ensuite le reste, ok. Pardon, alors. J'aimerais bien voir où elle est, la petite. Argonne Coast, ok, je pense qu'elle arrive. La Argonne Coast, on est bien d'accord, hein, c'est dans le coin. Hein. Karn, Bell, Korag, Narcosil. Je pense que j'ai pas le temps d'assiéger Seitarad, hein. À moins que je m'y mette vraiment avec tout le monde. Et il y a 4 mois de siège. Avec quelqu'un qui s'est assiégé, il y en a 4 aussi. Non, j'ai pas le temps d'assiéger. Faut que je parte à la capitale. Faut que je défende.
peut largement le faire, Kyo. Son armée est pas super puissante. Hein. Ça va encore, son armée. J'ai vu mieux. Ouais, t'inquiète. Je les attends juste, ils étaient dans l'Argon Coast. Sunwisp. Ah, ils sont partis de l'autre côté. Ils sont partis vers la capitale. Je vois, ça va me prendre combien de temps d'assiéger la capitale. Ah ouais, donc en fait, ils ont fait tout le tour. Trois ans. Ok. Non, mes 20 000 troupes vont aller à Sey. Ah! Let's go! À l'attaque! La bataille! Autant profiter qu'il soit décontenancé par le fait d'être arrivé à. Sur avant Terre Kyo! Ferme. Allez, c'est parti! Ça passe? Ouh là 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 là! Vengeance! Ouh là 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 là, cette première bataille qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux. Ils sont loin de chez eux. À Ville-Nord, c'est chez moi. C'est ça. Tu veux dire? Oui, nice. Et voilà, 7000 hommes de perdus de leur côté et 4000 du mien. Moins de 4000, pardon. Pas mal, pas mal. Eh oui. Allez, c'est parti, on va faire ça. Study the battle, oui. Allez, vas-y. Ok, parfait. Stop. Parce qu'ici, il y a 800 mages. Il y a 800 mages que je veux. Et puis éventuellement, les Rise Undead qui sont sur le déclin. On va faire aussi du ménage. Voilà. Vous allez ici. Hop, et l'armée qui a le squelette, enfin qui a tout le reste, ici aussi également. Tandis que vous allez gagner du ravitaillement et ça va être bien. Ça, Favoli, t'arrives à te reconstruire? J'ai trois révoltes. Oh putain. Une dissolution, une pour récupérer le titre et une pour libérer des peuples. Mais qui vont arriver hein, dans quelques mois. Combien? 6 mois. Ok, parfait. Restez fort! Restez puissant. Ah non, il faut que je continue de garder la main sur mon... Ah mince, pardon, j'étais en pause. Ah! Hop là, let's go. Ouh là 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 là. Vite. Ils arrivent. Ouais, ils viennent. Mais je suis prêt à les accueillir. Ils arrivent. Mais c'est quoi ces alliés qui viennent pas me sauver, là? Ouais, te regarde. Ouais. Moi, je veux bien avoir ces 5 chevaliers qui m'aident dans la bataille et puis les mages, là. Oh. Kyo. Ah, purée, je vais me faire battre. C'est fini. Non, je me fais battre. On va rassembler autre part. Ouais. Non. Ah purée, je me suis refait choper. Derrière. Ah ouais, ça m'est arrivé exactement la même chose. En vrai,
Je C'est fais presque une comme. victoire, t'as... C'était presque une victoire, mais c'est pas grave. Non, Je peux faire Kyo! mieux que ça. Bon bah j'ai pas repu d'armée. En fait, mon armée elle est rentrée dans la bataille et elle était prête à partir et peut-être de la bataille du coup. Mince. Attends, je vais rétablir des forces et puis je vais retourner les attaquer. Ils sont 12 000. Il me faut des hommes supplémentaires. J'ai de l'argent pour les mercenaires. Par contre, ça coûte cher les mercenaires quand même. Il n'y en a pas des pas chers. Oui, 1 500 hommes pour 500 balles, c'est pas mal. Hop. Et ceux-là, ils sont pas chers non plus. Oh purée, et puis il y a un commandant à 41 gratuit avec. C'est super. En plus, il se déplace vite. Ok, donc il va rester en bateau. Superbe. Bon, bah, venez vite, les gars. Parce que là, je vais faire exprès de perdre Emilion. Pour faire en sorte d'avoir ces nouveaux alliés qui arrivent. Oh, purée. La bataille d'Alitrex, c'est moins 50% de score de guerre. C'est vénère. Est-ce qu'ils viennent vers moi? Martial Père qui attend, c'est important ça. Faut que je... Alors. Du coup, Naval Speed plus 25%. Bah, c'est le bon moment de débloquer ça. Ok, super. J'ai de nouveau un perk de Martial. Organiser une marche. Allez, zou. Je pense que je vais pouvoir les attaquer. Ah, mais ils sont 5 000! Ah, mais oui, mais en fait... Oui, non, en fait, ça se fait. Attends, j'ai juste besoin de savoir. 42. Ah, eux aussi, ils ont des commandants assez puissants, quand même. En fait, faut que j'attaque, mais de l'autre côté. Ouais, mais là, ils sont dans la montagne. En fait, non. On va aller tenter d'assiéger l'autre ville pour qu'ils essayent de venir... Enfin, pour que je les fasse venir à Solas. Et derrière, je veux les battre à Solas. Ah. Prince Vandalion est morte. Ok. Bon, finalement, ça se passe bien. Ils ont pas envie de prendre Solas, hein, tant mieux pour moi. Ça va, Favali? Bah, j'ai une révolte de partout. Ah merde. Courage, Favali. Et mon armée a dû faire tout le tour pour arriver.
Ah. Les mercenaires qui... Oula. Hop. Et ils sont 10 000. Ouf. Mais pas 10 000 paysans, hein. C'est 10 000 guerriers, quoi. Ah merde. Ouais, ça nous fout de la... dans la sauce, quoi. Le truc, c'est que tant que j'ai pas réussi à détruire l'héritage, ça veut dire faire que... Parce que là, c'est le fils du gars qui s'était libéré la dernière fois. Ah, Tant que j'ai pas d'accord. réussi à détruire l'héritage, et ben ils font que de donner le titre de père en fils, quoi. Ah bah oui. Ils vont où? Ah, ils vont là. Ok, parfait. Ok, très bien. Vite. Ok, super. Il faut qu'on reprenne du truc. Hop. On reprend du ravitaillement. Et là, on va pouvoir y aller. Non. On va pouvoir y aller. J'ai le ravitaillement. J'ai les forces armées. Attends, il faut que je caste des squelettes. Mais en vrai, les squelettes, j'ai envie de les caster sur toi plutôt. Parce que tu en as besoin. Je vais t'envoyer des squelettes. Mec. J'espère que t'en prendras Oui. soin. Une armée gratuite. Bah écoute. Il consomme pas. C'est fou ça. Ah bah voilà, j'ai tout claqué. Donc t'as 600 squelettes qui sont venus t'en joindre. Oh merci, grand Kyo suprême. T'inquiète. On va gagner nos deux guerres. On va trouver le moyen de faire en sorte de gagner nos guerres. Il a pris un territoire, je suis déjà à moins 26, avec un territoire. Moi, j'ai enlevé deux territoires, je suis quand même à moins 26. Oh putain. C'est affreux quand même. Allez, riez bien, qui rira le dernier.
Oh putain, mais il me désorganise à chaque fois, c'est affreux. C'est une bataille d'attrition, mais assez hallucinante. Oh là là. Faut que je prenne un nouveau territoire. Attends, je suis obligé de prendre, de mettre un peu la pause. C'est fini, Kyo, j'ai perdu. Je Quoi? vais perdre tous les territoires. Non, Favali, non! Et les squelettes? Ce sont 10 000 hommes, Kyo. Non, Favali! Tu n'as pas le droit d'abandonner. À chaque territoire qu'ils prennent, ça leur fait 20% de guerre, de score en guerre en plus. Un territoire. J'en enlève un, ça m'enlève juste que 5%. J'avoue que c'est vraiment n'importe quoi. Ouh là 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 là. Ok, ils arrivent au compte-gouttes. Ok. Alors, attention, les mercenaires, faut que j'en renouvelle quelques-uns. Ouais, et eux, tant pis. Aïe 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 aïe. Donc c'est pas celui qui assiège celui-là. J'en ai plus qui assiège. Ok. Comme ça, la question elle est vite répondue.
Ok, ça c'est fait. Et eux, ils viennent ici. Ok, faut les repousser. J'ai les moyens de les repousser. Et ensuite, derrière, ça devrait aller quand même beaucoup mieux. Ah ouais, là, l'attaque, elle va être violente. Ah ouais, là, ça va faire mal, là. Ah, c'est le gars à 32 qui attaque. Dommage, c'était pas le gars à 41. Et bon, ça changera pas grand-chose. Ok. Très bien. Combien d'hommes ici? 3000 de garnison, ça va. Donc, j'envoie tous mes soldats un peu cassés. Je suis désolé, là, ça va prendre un peu de temps. Et puis, il faut que j'envoie tous mes War Mages aussi. Et puis on va envoyer aussi 900 de levée. Non, il faut qu'on en envoie plus que ça. Bah 3000. Donc ça, ici, et le reste ici pour faire de la défense et du ravitaillement. Ok. Ouf. Oh, je viens de payer des mercenaires, voilà, il les a tués avant. Mince. Ils sont à 33% de gagné. Ah ouais, tiens, je dois faire tout le tour du lac pour réussir à envoyer mon armée. Pour sauver mes magiciens que je viens de payer. Je vais bientôt perdre le pays, hein. Le truc, c'est qu'ils ont que des forts à plus 8 de défense et j'ai pas de magicien. Si j'en avais, je viens juste de les acheter, mais ils sont morts. Bah oui. Comment je suis capable de les prendre ceux-là? Ou ça m'étonnerait. Mais je peux les faire fuir, c'est déjà ça. Aïe 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 aïe. C'est marrant, c'est que je suis pas alcoolique, mais par contre, tout le monde devient alcoolique à cause de moi. Allez, allez, allez.
que je puisse être sûr de gagner cette bataille. Malgré... Ça, je peux les perdre. Ah ouais, mais l'autre, je sais pas, donc tant pis. Tant pis. Oh purée. Ok, ça va. Je tiens bon. Pas évident les guerres dans ce jeu quand même, hein. Eh oui. Compliqué. Je suis... En plus, il y a des corruptions dans mon royaume à cause de mes dettes. Et voilà, corruption. Quoi faire? Tu sais ce qu'il reste à faire, Kyo? Il faut couper la tête. Couper la tête. Non. Non, il faut pas faire ça. Il faut... Il faut... Historique et sujet. Oui. Courage, extorquons les sujets. Voilà. Ça, c'est une bonne décision. j'ai terminé ma guerre, c'est bon, j'arrive. Oh purée, GG. Bien joué. Ouh là 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 là. Parce que apparemment, de ce que tu me disais, ça allait vraiment pas être très... Non, mais il a divisé son armée en deux et j'ai pu attaquer une partie, l'autre partie elle est partie. Eh ben, quel talent. Bravo. C'est juste qu'il a coupé son armée en deux, hein. Si l'IA n'était pas aussi bête. Bah, et tu as su profiter de cette opportunité. Moi, je trouve ça magnifique. Magnifique. Bon, j'arrive te rejoindre. D'accord, vas-y. Trébuche pas dans l'escalier, s'il te plaît. Et t'inquiète, on va bientôt gagner la guerre, je suis sur le point de prendre la capitale. Je t'avais prévenu, il fallait un épisode pour la guerre. Oui, c'est vrai. C'est 38 minutes que t'es en guerre. Hein. Bah, ça fait un petit peu comme l'épisode contre l'Empire Byzantin, finalement. Il y a un petit peu de l'Empire Byzantin dans ce let's play, là. Ouais, un petit peu. Pas trop en dire, l'Empire Byzantin. On ne préfère pas en parler. Tiens, d'ailleurs, tu peux me passer un peu d'argent. Ah non, t'en as plus aussi. Ah mince. T'inquiète, je t'en passerai un peu plus tard. Non, parce que vu que je suis en dette et toi aussi, mince. Bon bah, on va devoir extorquer le sujet, je t'avais prévenu. C'est ça. Alineur est bientôt à moi. On n'a pas un sort magique pour gagner de l'argent. Non. Ça, la transmutation, malheureusement, on peut pas. Ça aurait été bien. La transmutation. Je souhaite des billets de banque. Ah, des billets de banque. Ah, il est trop mignon, leur niveau de paragon de vertu. Je sais pas si t'as vu. Oh, t'as vu sa dette? Moi, 1445 aussi. Elle est en dette majeure, elle aussi. Endettée, Jotoku. Mal, hein. Et c'est pas la fin de la guerre qui va arranger son cas. Fou là 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 là. Allez allez allez. 4 mois d'assiègement de capitale. Kyo, il y a une armée de 6000 hommes qui va débarquer, c'est normal ça? Ah non, ah c'est eux, j'ai eu peur. Non, t'inquiète, ça va. Tranquille, ça se fait. Bon, tu le dis, hein. 3 mois. Allez. Oh là là. On arrive, Kyo. Beau gosse, Favali.
J'arrive, voilà. T'inquiète. Nous voilà. C'est nous. Très bien. Encore deux mois et à l'attaque. Et on a les gens qui arrivent à la fin de la guerre. Quoi. À la fin, il faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir, sauvagement exécuté manger. Dans les dents. Ouais, avant de l'avoir mangé, c'est ça. Ça fait rien dire ce qu'on a dit, putain. Oh, il y a ton allié qui est en train d'assiéger une île. Une île. Est-ce que tu pourras me passer Let's go. Les endroits avec les pierres? Waouh, trop bien. La guerre. À l'endroit avec les pierres, c'est là où je voulais mettre ma capitale, donc. Allez, mets ta capitale. De toute façon, on peut même pas se changer de territoire dans le jeu. Bah non. Où est la diplomatie là-dedans? On est obligé de faire des guerres pour se... On est obligé de se taper dessus pour essayer d'avoir un territoire. C'est ça. Alors, fais un don. Fais un don à Kyo pour qu'il arrête d'être malade. C'est ça, j'ai besoin d'acheter du Doliprane, les gens. Et d'aller prendre un coup de chair. Yes! Ça y est, sur cette belle parole. Mm-hmm. Ah, voilà. Je suis dorénavant, je possède le 42 territoire 000. De Dragonstore. Holy 42 000. Shit. Oui. Il est temps désormais de créer... Ou d'usurper plutôt, je pense. Il est où le... Je pense. Un empire. Alors, je ne peux pas parce que je n'ai pas 1000 balles. Ok. Oh non! Mais du coup, je vais devoir faire du boulot là pour. Estorquer sujet. Ouais, tout y ramener, estorquer sujet, Kyo. C'est ça. Tu dois le savoir. Mais quand même, t'as 729 ans. Alors, estorquer sujet, c'est la moindre des choses à avoir avec son personnage. J'ai 62 vassals, enfin, taille de limite de vassaux et 41 domaines. C'est n'importe quoi. Ben voilà. Et j'ai même pas récupéré la tour de cristal. J'ai le King Pass, mais j'ai pas la tour de cristal. Je l'ai pas récupéré. Si je lui dis que c'est à moi, il dit quoi? Il veut pas. Ouais, tu m'étonnes. Quelque part, je comprends. Comment est-ce que je m'occupe de ça? Bon, parce que ça va être compliqué, ça, non? Est-ce qu'on se dirait pas que c'est la fin de l'épisode, le temps que j'organise un petit peu tout ce merdier? Je pense. Eh ben, en tout cas, merci à toi, Favali. Je suis content que t'aies réussi à garder ton territoire. Et prochain épisode, évidemment. Évidemment, on va t'aider évidemment à conquérir le reste de Skyrim. Des bisous à vous et à la prochaine. Tchou! À la prochaine!